verre, tous les champions des jeux au bout de midi se sont retrouvés lors d'un prime time au moment. Mais parmi tous ces maîtres adorés des spectateurs, il y en a un qui était bien évidemment absent, Christian Quesada. Christian Quesada. Son nom est-il devenu tabou au sein de la petite famille de l'émission? Dans un moment accordé aux Parisiens à l'occasion de la rentrée, Gilles Pélissimo, le PDG de TF1, est revenu sur cette affaire. À l'occasion de la rentrée, Gilles Pélisson, le PDG de TF1, est revenu sur l'affaire Christian Quesada. Il continue, on a le sentiment d'avoir été trompé. Il est essentiel que les producteurs mettent en place des garde-fous lors du casting, a-t-il expliqué. Le PDG de TF1 conclut, autant qu'à TF1 nous souhaitons diffuser des valeurs positives, ce que fait formidablement ce jeu au quotidien. Pour rappel, le champion Quesada aux 800 000 euros d'honneur a été arrêté pour tentative de porter et base d'objection de mineur et détention d'images et vidéos pédopornographiques. Leur scandale a éclaté au grand jour en mars 2019, le père de famille est toujours en détention. Christian Quesada, pourquoi a-t-il changé d'avocat pendant cette détention provisoire? Les révélations sur Christian se poursuivent.